Eh bien bonjour à tous, c'est Skylor et on est reparti pour un nouvel épisode sur Final Fantasy X. Et la dernière fois donc on s'était laissé ici. Apparemment il fallait continuer pour pouvoir D'accord. Bon bah on commence bien. Donc ouais je disais hein, il fallait continuer pour pouvoir accéder tout en haut de la grotte. Donc bah c'est ce qu'on va faire tout simplement. Ah oui c'est vrai que je suis avec les armes, j'ai fait un petit peu en off pour capturer un petit peu de monstres ici, même si c'est pas fameux. Faudra remettre les armes d'origine quand même. Il a tellement pris lui. Yuna, tu continues sur ta lancée avec ton sidéral qui fait très mal. Là il reste encore deux personnes donc faites pas trop mal non plus. Bon, du coup, c'est pas elle qui va faire mal, mais bon. Juste piller. Voilà, on a les deux remèdes. Et Lulu qui va nous faire un coup d'Atonium pour l'achever. Oh, ils sont chers, les mêmes. En même temps, Atonium est sidéral. Mais c'est fort efficace. Parce que, mine de rien, on gagne pas mal d'XP ici. Ah, vous avez dit. Donc on a dit qu'on retournait sur des armes basiques. Donc c'est-à-dire 15. Alors, on va partir sur 10 avec analyse. Ah mais l'autre à la 15. Alors, on va rester là-dessus. Toi t'étais sur la 10 et toi t'étais sur la 10. C'est pas comme tout le monde en fait, c'est juste Tidus qui a la fraternité qui a 15, hein, c'est ça, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Mais il a la taco. Ah bah oui, mais on va dans la flotte. Mauvaise idée. Ah non, on peut pas y accéder encore ici. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut monter? Ok, toi, tu nous fais un petit coup de pillage, tu retires lui. Toi, tu nous fais un coup de foudre X sur lui. Ah, Riku, tu t'en vas. Faudrait taper les overdrive la prochaine fois. Ah merde, Lulu, elle a pas fait son action. Quel couillon. So, how shall we do this? Tu fais ça. Auron, tu arrives. Hop, et qui m'arrive nous fait un petit coup de... Est-ce qu'on est full? Est-ce qu'on est full? Ah, j'ai pas envie de cramer son émule attaque, mais bon... Allez. Soigne tout le monde au cas où. Ça n'a servi à rien, juste pour... Bon, bah écoute. Écoute. Termine-le et pille-le avec tes potions Albed. Ah bah non, des grenades. Oh bah écoute. Au moins, ça c'est fait. Alors, donc, la suite ici. Ok, donc on peut pas grimper. Ah bah, encore une rivière. Oh la belle gelée. Alors, on va faire ça. Toi, tu peux nous faire un petit coup de... Non, c'est spéciaux. Ah, tu peux pas. Bah, tu vas attaquer simplement, même si ça a rien à faire. C'est pas Tidus. Ouais, c'est ça, hein. Déprime. Pour les attaques magiques. Et toi, tu nous fais trépant pour les attaques physiques. Voilà. Ça, on est tranquille. Oh non, pas ce Tidus, il y a booster et tout le bordel. Alors, Yuna, combien il a de PV? Ah bah, parfait. Allez hop, sidéral. Ah ouais, mais il aspire Tidus, je crois. Voilà, ça c'est fait. Oh, okay. Sans aucun souci. Toi, tu le pilles. Merci. Rideau d'étoiles. Ça, par contre, Sauron, c'est beaucoup moins cool. Et bah, terminé, hein.
c'est réglé. Waka, legit, il a fait 9999. Tout va bien. Avant de perdre Yuna, est-ce qu'il y a possibilité de faire un petit coup de potion sur tout le monde? Parce que le Mistral n'a pas servi à grand chose. Bah, on continue dans la grotte. Ah, il y a un PDS là-haut. Ok. Allez. Donc on continue là-dedans. Il va y avoir des Poskai, je suppose. Voilà. Où les deux gros Poskai? Toi, tu vas nous utiliser une... Pourquoi les grenades? Les grenades pour tout le monde. Ah bah voilà. Même si ça fait pas très mal, au moins ça fait un peu mal. Je t'aurais bien calé une déluge d'énergie, mais le problème c'est que je vais tuer tout le monde. Par contre, toi, tu vas pouvoir nous faire un combo. Ah non! Putain, et vivement qu'on retourne sur du Albed. Hein. Sur du Blitzball, histoire que déjà je fasse marcher ma team. Qui est sans doute pas mal maintenant. C'est pas grave. Et bah l'autre, tu vas pouvoir nous caler un déluge génial. Attaque éclair, tiens. Déluge d'énergie. Voilà. Et bah parfait. Ah, ça donne quoi sous la flotte, tiens? Ah, il fait pas son saut du coup. Bah il le dit. Allez boum! Adieu la Poskai. Et on est que nous à augmenter d'XP. Logique, parce que les autres ils savent pas nager. Du moins, ils ont pas le moteur dans les poumons. Ouh, la bull bait. C'est bien, on n'a pas de combat en double depuis tout à l'heure. Moi, je reste avec vous pendant longtemps, même si l'autre va crever. Ok, bon, une petite queue de phénix. 77, qu'est-ce que je fais avec autant de queue de phénix, moi? On va calmer ces biscottos. Boum! Bon, je pensais que t'allais mourir. Bon bah on va s'occuper de l'autre. Tidus, toi tu t'occupes de lui, il est mort. Riku, tu termines l'autre vers la concentration. Merci. Ah, encore une queue de phénix. Enfin, qu'est-ce qu'on prend cher quand on est que juste tous ensemble? Tu peux pas utiliser un truc genre... Ah bah voilà, globe électrique. C'était déjà un peu plus mal. On va rester sur une attaque basique. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est faire directement... Ah bah non. J'ai pas Booster X, vu que j'ai plus de PM. Je devrais faire Aspire, je suis con. Attends. Ah bah, il est mort. Je vais peut-être pas... Est-ce que je claque un éther? Pour des... Oh, ça me... Défense physique. Ah, c'est sympa. Est-ce qu'on peut placer les... HP plus 10, MP plus 5 là-dessus? Si je fais... Modifier le dernier qu'on vient d'avoir. Qu'est-ce qu'on en a du bordel? C'est incroyable. Toujours pas sécurité, bien sûr. Bah non. Défense avec une sphère. Ah non. Eh, on peut faire. Non, pas des élixirs. Source revivante. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Intéressant. Pas des élixirs, c'est sûr, on va les garder. Auto-guérison. Ah, des remèdes, on en a foison, j'avoue. Est-ce qu'on se claque un truc comme ça pour...
Ah, ça me ferait l'équipement un petit peu ultime, hein, entre guillemets. Défense mort, poison, annule gaz. Bon, allez, on va partir sur un truc assez pété. Et ça, défense magique. Ah, ça me fait chier, hein. Source magique. Ouais, tu sais quoi. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que si on commence à faire des trucs, ça va pas être bon. Oh ! Nouvelle énigme ? Ok, accélérer entre les trois en même temps. Choisissez bien par rapport aux trouilles et la taille. Ouais, c'est pas très compliqué, hein. Riku avalé dans le petit. Tidus dans celui-là. Et puis toi, tu vas aller dans le gros parce que t'as un gros sac. C'est bien ça? Ah ben ça... Ah, il y a un coffre. La friture. Élément magique rapiteux, écaille de dragon, bizarre, une attaque, toujours des grenades, bah des grenades sur tout le monde, allez hop, voilà, comme ça il y en a un qui est même là, ah bah, kamikaze, hop là toi t'es mort, hop là toi t'es mort, même pas besoin de quoi que ce soit, j'ai dit qu'il fallait que je réfléchisse à un éther aussi, ça pourrait être pas mal. Alors, un éther. Alors déjà, il y a le coffre. Une seule étoile, tiens. Est-ce qu'on prend un éther? Oh. Non. On n'en a pas assez. On va rester comme ça. Par contre, celui-là, on l'a vu, donc celui-là, je vais vous laisser. Même si c'était très rapide. Alors, les poissons plus les deux, on les a pas vus celui-là. Par contre, Riku qui est en train de crever, ça aussi on l'a vu. Hein. Voilà, alors là, on a tout le monde empoisonné. On a. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Riku, réveille-toi et donne-nous une potion Albed là, parce qu'au bout d'un moment, ça va mal aller. Ok. Toi, tu vas m'éliminer ces petits cons qui sont là. Ouais, ceux-là. Même si t'as mal, ça va pas le tuer. Riku survit, arrête tes conneries. Hein. Voilà. Là, utilise. Mais c'est Tidus! Oh là, et puis lui, bien sûr, il peut pas utiliser Break. A claquer ça. Ah, j'ai obligé parce qu'elle est incapable de faire grand chose. Là, du coup, vu que t'es full régène, toi, tu vas me faire une alchimie avec deux magie croc tonnerre. Voilà, comme ça, tout le monde va crever. Mais pas deux fois sur lui! Oh là là. Quelle merde! Voilà. Et voilà. Et puis en même temps, on va se régénérer. Parce que là, avec le poison et tout ça, qu'est-ce qu'on a pris? Incroyable. Allez, régène, s'il vous plaît. Et on reclaque les potions plus. Ah la vache, qu'est-ce qu'on a pris. Donc du coup on a accédé à un prochain palier. Qu'est-ce qu'on en chie dans cette flotte, c'est incroyable. À partir du moment
Ah, bah on a l'avantage. Bordel. Alors. Ah, on va retrouver nos compagnons. Enfin. Alors, compétence Yuna, s'il te plaît, tu nous fais un petit coup de soin plus sur toi et toi. Merci. Ah, et du coup, ça a débloqué ça. Il y avait un chemin sur la droite, faudrait y aller. Alors, tu vas nous faire un petit coup de pied. Un éther, bah, parfait. Trépan. T'es protégé? Ouais, t'es protégé. C'est pas grave. Ah merde, il avait déjà son overdrive. Oh. Ah bah oui, bah sur Riku en plus. Raté. Pas raté. Yuda, s'il te plaît, tu peux faire revivre Géraldine qui est morte. Allez, revis. Merci. Lulu, un petit coup d'atonium. Parce que de toute façon, on a vu qu'il y avait un PDS qui nous soignait là-haut. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal. Mais elle vient de revivre. Tu as arrêté de l'emmerder, ouais. Pauvre Riku. Donc toi, c'est bon, t'as fait ton tour. Allez, casse-toi, parce que j'en ai marre de toi. Non. J'avais pas fait gaffe à ces PV. Dommage. Miroir. Kinari. Ah, SOS. Attends. Avant ça. Il y avait un truc là-bas. Je disais. Ah bah on va passer devant de point de sauvegarde. Il y avait un truc ici. Ah bah voilà, on peut y accéder. Alors. Puis c'est pareil, il y avait des coffres aussi en bas. Faudra aller faire un petit tour avant de remonter un petit peu. Ah bah. Sphère retour. Oh, sphère retour. C'est quoi ça, la bague de machin truc? Oh là là, mais ça c'est cool parce que Lulu elle avait absolument besoin d'une sphère retour. Ah, ça c'est cool. J'ai envie de dire, Tidus s'est énervé, il a fait du dégât. Non, non, mais par contre, faut retourner. Il y avait un truc spécial où il y avait un trou là, juste là. Ah, juste. Ah, bah tiens, on l'avait jamais vu ça, dans cet épisode. Alors, tu vas faire. Ah merde, j'ai oublié de m'occuper du sphérier à. Ah, on fera au point de sauvegarde. Ok, toi tu sauvegardes. Hop, Lulu. Merci. Auron. I foresee no difficulty. Bah ouais, bah tu m'étonnes, il est tout seul. Hey, je crois qu'il manque plus qu'une overdrive à Kimari. Hein. On les a tous chopés. Hein. Ça, c'est cool. Alors, toi, tu peux faire ça. Bah, parfait. Pas refait. Merci.
Alors, régénération, merci. Et du coup, donc je disais pour Lulu, voilà, ce qu'il nous faut, c'est une sphère autour pour aller dans le sphérier à Yuna. C'est pas là. Yosha, Yuna, Yuna. Yuna. Excusez-moi, brave Jean, je suis désolé. Attendez, de toute façon, il faut que je revienne ici, dans tous les cas. Parce que Yuna, elle est... Attends. Yuna, c'est... Ah, c'est là. Ouais, c'est ça, Yuna. Anti-feu, anti-eau, machin tout chouette. Ouais, c'est là, c'est là. Donc, faudrait que je fasse... Ça va être un merdier à faire. Là, il faudrait que je remonte sur la sphère niveau 1. Que je remonte par ici. Tac, 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 tac. Et sphère niveau 2. Parce que là, c'est quoi? Auréole, ok. Sphère niveau 2, ok. Et j'en ai des sphères niveau 1, niveau 2, on est d'accord. Niveau 1, niveau 2, ok. Bon, écoute, on va revenir par là. Et concernant le sphérier, je m'en occuperai plus tard. Ne vous inquiétez pas. Mais au moins, j'ai la sphère autour. Ok, maintenant, il y avait un petit truc ici. Ah bah voilà! À dire que le multi-atonium il est insane. Coudière étoilée. Oh, c'est pas un truc qui augmente la chance ou un truc comme ça? Coudière étoilée. Ah, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, terrible. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Ah, on l'a jamais vu lui. Alors, toi, tu meurs. Non, tu veux pas mourir. Bah, tu vas mourir par la main d'Oron, hein. C'est pas tellement un problème. Voilà. Salut. Toi, tu fais ça. Hop, tac. On fait venir tout le monde, comme d'habitude. Vous connaissez la musique. Voilà. Un petit coup de Rico. Vivement qu'on change un petit peu de biome, parce que ces ennemis ont... déjà vu et revu, ça commence à être répétitif un petit peu. Allez, salut. Bon, même si on augmente pas ma dispé, mais... Alors, on augmente bien dispé quand même. Ok, donc on n'a plus qu'à remonter. Donc c'était ici. Je sais pas si vous remarquez dans les accélérés, mais là je suis plus dans un mood on augmente tout le monde, etc. L'évolution. Luna, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme bâton de l'évolution? Attaque zombie? Ça va pas me servir à grand chose si ça. Popo. On va pas bouffer les éthers, c'est bon. On va y arriver au bout de cette montagne, hein. On va vraiment y arriver. Bonjour. They'll be upon us soon.
She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Unaleska. Lady Unaleska? In Zanarkand, she awaits the arrival of the strongest. Encore vivante? She is still alive. Oh. As much as Micah and Seymour. Ah, c'est des héros. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Après, avec then, tout ce qu'elle a vécu. I must not let him down. C'est un peu normal. Oh, encore! Quand je vais commencer à mettre mes points, je vous jure que ça va faire un gros bordel. Bon, bah, il y a combien? Ouais, on va peut-être s'arrêter, hein. Parce que, je suis désolé, du coup, ça a été un épisode full exploration de la grotte. Mais si on continue comme ça, le timer, il va péter un câble. Enfin bref. Bah, je suis désolé, ça a été que des épisodes combat. On a eu juste un tout petit peu d'histoire à la fin, mais bon. Vous connaissez la musique, bref. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao bye!